il a choisi d'être prisonnière avec nous, mais avec amour. Un jour, une colombe top. C'était une très belle colombe. On a donné un nom de Zuleika. Zuleika, c'est un nom d'une femme très belle. Il est embarqué chez nous d'un pays très loin. On a pu lui faire une nid. Elle n'est pas comme nous. Il peut entrer et sortir dès qu'il veut. Cette colombe, dans cet silence, il nous a créé une dynamique de quelque chose de très beau, très vif. Il est resté avec nous des années. Il a même eu des petits pigeons. Il a à chaque fois un amant. On essaye de l'aider à qu'il vive sa vie, pas prisonnière. Tant qu'il a pris cette choix, donc nous n'avons pas le droit de limiter ses droits biologiques, ses droits à tout. Même les gardiens, ils voient cette relation avec Zuleika, ils voient d'un œil pas satisfaisant. Un jour, ils m'ont isolé, ils m'ont torturé, ils m'ont pris tous mes écrits que j'écris sur mon vécu dans la prison. Et lorsqu'il y a une évasion, il décide de mettre le tout sous la torture. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'elles ont exécuté Zuleika. Ça a été un jour très triste pour moi. Même une telle pigeon qui va changer ta vie, qui met une vie souriante, une vie d'échange d'amour, même avec une colombe. Ils ont décidé de l'étrangler et de la tuer.